On a beaucoup de réalisations que je ne saurais pas vous détailler, mais je vais vous citer quelques-unes. Je me souviens du grand tournoi organisé en 2015 où il y avait 15, à peu près 15 équipes venues entre autres de Uvira, Moba, Baraka et ici à Kalemi. À l'issue de ce tournoi, une équipe de Uvira était sortie vainqueur. C'est Aston Villa, je me souviens. Et elle avait eu cette équipe-là 2 500 $ comme cagnotte. Nous sommes en quelle année? Là, c'est en 2015. À part ça, je me souviens encore d'un tournoi organisé en 2018. C'est un tournoi intercommunal qui avait connu la participation de 4 équipes, dont 3 équipes de différentes communes de Kalemi. C'est la commune du Lac, commune Kalemi et commune de la Lukuga. Toujours chapeauté par l'honorable Kabongo. Et là, les gagnants avaient obtenu un prix en natire. C'est que les gagnants avaient obtenu une vache. Et c'était sur place là au stade. Alors vous pouvez nous confirmer que dans tous ces tournois, il n'y avait pas eu aucun problème pour ces championnats-là, bien sûr. En réalité, je peux vous affirmer ici qu'il n'y avait aucun incident. Du début jusqu'à la fin, les équipes ont réussi leur prix, d'ailleurs au stade, dans des enveloppes. Et ils ont compté, ils avaient compté aux yeux de tout le monde. Et c'était bien passé, je me souviens, c'était une belle ambiance. Pour le tournoi intercommunal également, le prix en attire, la vache était là même au stade. Et c'était sous une belle ambiance, il n'y avait aucun incident. Monsieur Claude, on a le peine de quoi ça tourne, de lier quoi ça quoi. Il est montant en attaque parce que ne dit poser question. Il est franc, il est toka wapi. Ni l'État, ni l'État, voilà ni honorable Kabongo, ni nani à le financer quoi. Que l'État, il est 2 500. $2 500 pour l'équipe championne. 2 500, il est toka quoi. Honorable Kabongo. Il est nasema du à équipe et il est toka ya kwanza. Ya pili. Il y pataka $1 500. Ya tatu, il y pataka $1 000. Na ya ine, il y pata $500. Ma sommation ya ma priote, il fanyaka $5 500. Na mwenye kulete le franga. Il y kuwa ni honorable Kabongo. Na ya pili competition, mwana se mbali leta vache, ngombe. Oui, wakati ba joueur beko na cheza kustad, ngombe il y kuwa pale kustad. Équipe il remporta ka il veba ngombe yake apana lukamba ngombe mujima ngombe wa mtoto ngombe mkubwa mwenjo mko ba journalist mko na image ikwa ngombe munene ku stade ilikuwa ni ambiance ya mzuri sana na ile ngombe mpaka honorable Kabongo ni honorable Kabongo à travers association les amis de Kabongo Boniface AKB. Nazani wakati mli organiser ile watu walifata baliona est-ce que watu wali adhere ku mouvement parce que ile action à ville est rare. Franchement unajua leo kama unaweza kutaya ma association de masse mumukini humu hawezi kutaya mbili na uyatutaya na sie seke mukini humu wanatuyua ni par rapport ya ma realisation yetu munene yenye iko na etone kila mtu miaka ya mbele mliweza ile ma organisation mais de nos jours kuna kwa polemique moyo nazaliko siku za nyuma hapa kulikuwa iko tournoi tena nyingine ilikuwa organisé. Tuliona ma club mbalimbali ili participe. Mais kusikia batu biko na expliquer banasema ya kama kuku pia
organisation yenu ilikuwa mu hiyo organisation za mwisho hapo. Ilikuwa na chapoter hiyo organisation ya mwisho hapa. Ile ekipi ya Bukavu ilipata 2500 na mpaka hivi ile franga hayaonekana. Moya wapana. Kwa kweli bwana journalist, mie sikupenda kusemezea sana, kusemezea juu ya ile problem. Kama vile mnaniswali, acha nijibie basi. Kwa kweli nitasema hapa kama association yetu AKB na leader wetu honorable Kabongo atuko concerné de loin ni de près na ile organisation ya tournoi ilipitikana hapa ku stade Joseph Kabila. En tout cas, association yetu haiko concerné. Mais banasema baliona mu organisation ba membre yenu kuwa kukichwa ile organisation baliona na wakati wa joueur wale walienda ku manifester mécontentement yao walifanya mbarabara wakafunga barabara ile banasema walifanya pembeni ya fasi kuna kuweko watu biku proche na honorable Kabongo. Wewe kama bush autorisé sijue version gani huko nazo? Kwa kweli na mie niliona bantu bale balikuwa kukichwa ya organisation ya ile manifestation. Nili reconnaître kama kukichwa ya ile organisation kulikuwa batu benye zamani balikuwa kaba membre ya ASBL yetu. Me lakini kwa leo kuna makosa ambayo walifanyaka ndani ya association na ma règlement d'ordre intérieur yetu ilibafrapaka baishaka poteza ile kalite ya bumambre. Seke abeko tena ba membre ya ASBL yetu. Est-ce que munaweza kuwa na shauri kwa kupatia kwa waorganizateri wa hii tournoi kufatana na hii zote zilipita hapa kwetu Kalemi? Ndio, kwa kweli jambo kama hii ilipitikana haiko mzuri na inaleta uzuni kwa kila mtu anaisikia. Kwa sababu kuna wachezaji walitoka mji wa Uvira, Bukavu, walikuwa kucheza hapo, wanaacha mafamilia yao, na wakati wanagombea wanapata ile kikombe, wanapasha kupata ile mapri yao. Alors kama kuna kuwa mabitu ya kwenda de gauche a droite, en tout cas haiko mzuri. Nitaomba kwa watu wengine, parce que haiko tu si AKB ndio tunaweza kuorganize ma tournoi yote. Kuko batu bale beko na ile volonté ya kuorganize, mais quand même shauri ni hii. Avant organisation yote banapashi quand même kuplanifier, parce que avant toute chose tout se planifie en avance. Awezi tu kulala unalamuka kisha uorganize tournoi munene kama ile. Il faut kuplanifier. Wakati ya planification njo utayua meme mwisho itakuwa je. Seke hii mwisho gisi ilifikia ni inaonekana kama planifikasyo haikukua mzuri. Kwa wa mambre wa AKB, nazo wapatia message gani? Oui, kwa wanduku yetu wa AKB, wakwe toujours confiant na siye. Na kukua vigilant, kubale bantu beko na pitisha ile ma spekulasyon. En realite, AKB haikuwa organize tournoi kule ku stade Joseph Kabila pana i tournoi walikuwa naita kama tournoi de l'unité. En tout cas ikuko organiser kweli na ASBL les amis de Kabongo, na les amis de Kabongo iko mbali sana na ile ma organisation. Accent sana mwanako na accent na wewe bwana journaliste.